Vous avez tous votre avis sur les produits aphrodisiaques. Alors nous, on en a sélectionné 2-3 qui le sont, soi-disant. Et comme je suis une dingue, mais je vais tout prendre d'un coup. Du chocolat noir, comme on fait attention à la ligne en même temps, pourquoi pas. Avec des asperges et du gingembre. Bah, allez, c'est parti. J'aime pas trop ça en plus. Hein. C'est bon les asperges. Un peu de gingembre. Oh, 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 il envoie du bois. On va terminer par le chocolat. Et pour faire passer le tout, un petit café. En plus, il paraît que c'est aussi aphrodisiaque. Il ne se passe rien. Mais rien, même pas une petite bouffée de chaleur. Que dalle. Je me dis que j'ai peut-être besoin d'une petite stimulation. Ouais. Et ouais, des hommes qui soulèvent de la fonte, par exemple, une salle de sport. Ça, c'est une idée. Allez, on y va tout de suite. Je sens que ça va vous plaire. Bonjour, messieurs. Ça vous dérange si je me mets là et que je vous regarde un petit peu? Avec plaisir, avec ouais. plaisir. Merci beaucoup. Ça a l'air lourd, c'est combien de kilos? 8 kilos. 8 kilos. 8 kilos à chaque bras? C'est chaque bras. Wow, ça a l'air dur, je peux toucher? Avec plaisir. J'adore ça. C'est un peu mou, là. Là, c'est un peu mou, c'est vrai. C'est... Mais... Ah, c'est normal. Commencer. D'accord, c'est pour voilà. ça. Faites ça un petit peu. Ah oui, là c'est dur. Là, c'est dur, voilà. C'est mais ça va être plus dur dans 10 minutes. Mais 10 minutes plus tard, les aphrodisiaques ne font toujours aucun effet. C'est pas ça, ils sont super jolis, bien faits, mais il ne se passe absolument rien. Mais rien du tout. Je suis désolée, hein, c'est pas toi, mais il se passe rien. Vous savez quoi? Peut-être envoyer encore plus fort. Test ultime. Pour ce test ultime, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'hommes forts. Qui porte l'uniforme de manière extraordinaire et qui gère la barre, mais comme personne. Et donc, vous me dites... Mais non, pas les Chip and Dale, sans fin, bande de pervers. Les pompiers, bien sûr. Les pompiers. Ouh. Ouh. Y a de la testostérone là-dedans. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Je me suis dit que des beaux pompiers en uniforme, ça pouvait être sympa. Mais ça vous dit de partir en mission avec nous? Oh oui, plutôt deux fois qu'une. Allez, hop. Bon, l'aphrodisiaque, ça ne marche pas. Par contre, avec les pompiers, qu'est-ce qu'on prend son pied? Salut.